Bon, salut les gens, j'espère que vous allez bien. On est parti pour du BO3, donc hier, non plutôt aujourd'hui. Non, ça va être hier pour vous. Je devais sortir une vidéo. Maintenant, j'ai eu pas mal de problèmes avec le nouveau pilote graphique Tomb Raider, la Rise. Ça a foutu la merde. À chaque fois, j'ai des problèmes. Code 28 de merde là. Enfin bon. Donc pour finir, à partir de maintenant, ça va être un jour sur deux que je vais sortir des vidéos. Parce que vu que je dois les upload le soir, je dois laisser tourner le PC, c'est pas génial tous les jours quoi. Donc, vu que c'est quand même pas des gros gros fichiers, mais que mon upload est un peu pourri quoi. Je suis obligé de le faire tourner la soirée. Hein. Même si je fais des découpages et tout, que j'essaie de réduire la taille et tout, que je fais des vidéos de 25 minutes, ça reste trop gros pour mon débit quoi. Donc, How to Survive, c'est le prochain. Là, on va faire une partie de Coco Code. Quoi, je sais pas en fait. Soit tu fais juste vite fait une vidéo explicative ou je sais pas. Vous verrez bien si là de suite, bah, c'est que j'ai fait le gameplay. Si je tombe sur. Voilà. Si on fait de bonne partie, alors on va dire qu'on va faire ça, on va rester dessus. Bah, je vais filmer quoi. Parce qu'il a déjà eu une vidéo dessus. Donc voilà, je suis bientôt Prestige 6. Bah, je pourrais passer. C'est 7 maintenant, ah non c'est 7, je me trompe. Bah non, j'ai fini à Gordon. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas s'il y en a un qui ont déjà le... Regarde comment ça s'appelle encore, le Dark Matter, donc le camouflage de fait de jeu quoi. Quand vous finissez de débloquer tous les équipements en or, la spécialisation et tout. Donc j'ai bientôt fini la spécialisation, bah la dernière quoi, le pyromane, le purificateur, ouais. Purificateur. Il me reste le petit défi de Fino, donc ah non, c'est vrai, non. Je dois faire des kills avec l'autre thermique. J'ai pas fini. C'est quand même pas évident, hein. Surtout que vu que je joue avec une les armes, je débloque les armes plus les spécialisations en même temps, ça n'avance pas super vite. Surtout que je crois que j'ai attendu Prestige 3 pour commencer à. Ouais, c'est Prestige 3 pour commencer à débloquer en or. Vu qu'au début, j'étais fixé sur débloquer tous les équipements max. Donc, comme ça, j'ai toute la rubrique, bah, toutes les rubriques avec tous les accessoires, les faire en or et puis les passer au Prestige. Prestige 1. Et puis plus tard, bah, je recommencerai toutes les armes. Peut-être pas le pont par contre, ça c'est pas sûr. On verra bien. Enfin bon. On verra bien, donc il me reste quelques kills et puis je pourrais faire les défis. Le lance-flamme, c'est bien comme j'avais dit, a complètement cheaté, hein, complètement craqué. Maintenant, la distance est complètement craquée, mais bon, il faut quand même un peu de temps pour que le lance-flamme aille jusque-là, donc ça va encore, mais c'est quand même toujours craqué. Il est toujours craqué le lance-flamme. Et l'autre de choc, c'est vraiment stylé. Si t'arrives en domination, tu glisses sur le poids et tu t'appuies sur la. Pour la onde de choc, tu peux tous les paralyser, c'est génial. Si tes potes sont à côté, ils savent tout nettoyer la zone et hop là, vous capturez le poids. Ça, c'est super bien l'onde de choc. Je l'avais pas testé, mais c'est vraiment terrible. Donc voilà, la Gorgone, je l'emmerde. Hein, sérieux, pour faire des têtes avec cette merde, c'est chier. Déjà, ça prend 3 pompes pour viser. Ça prend une seconde pour viser, c'est pour dire. Une foutue seconde, même avec la poignée ergo qui te permet de viser plus vite. Laisse tomber quoi, mais l'est aussi, c'est vraiment horrible. C'est facile, c'est pas trop compliqué de faire des kills avec, tu fais des bons ratios et tout, mais c'est super chiant pour viser l'été, en tout cas pour les faire assez rapidement quoi. Ça prend du temps. J'avais du mal avec la forme et la gorgone, elle m'a vraiment cassé les couilles. J'ai mis point de drop, elle m'a vraiment cassé les couilles. Donc voilà, il me reste plus que la dredge, et puis je les ai en or, et puis bah, je vais commencer les pompes, hein, vu que j'aurai plus que ça. Ça, j'aurai les pistolets et le couteau et les RPG. Le RPG, il me reste pas grand chose, mais c'est chiant en fait. C'est le côté chiant qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est 10 tourelles, gardien et tout. Il faut déjà espérer tomber. Donc, je pense que Nuketown, de temps en temps, ils aiment bien de mettre des tourelles et des Cerberus. Donc, il a peut-être moyen là. Donc, 18 d'assaut, ça je vais les faire au fur et à mesure. Et pour pas dégoûter, j'en fais deux par partie, comme ça, voilà quoi. Parce que moi ça me fait chier quand on tire dessus au lance-roquette. Maintenant je savais pas, c'est un défi à la con. Sérieux, tirer sur des mecs au lance-roquette, vas-y, va te faire foutre quoi. C'est n'importe quoi comme défi à la con. Je sais pas, ils auraient pu mettre autre chose, tirer sur DXD, là, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas. Ouais. Là, ça va tellement vite, c'est chaud pour viser, je sais pas, ils auraient pu mettre ça quoi. Donc les sacs rapaces ou Cerberus, voilà. Les Cerberus, il faut compter 3 lance-roquettes, donc c'est chiant quand même.
Ce qu'il faudrait, c'est carrément attendre un pote qui lance une grenade dessus, puis tirer vos deux lance roquettes très très vite. J'ai essayé sur Nuketown, on me l'a niqué. J'étais deg. J'ai lancé deux lance roquettes et le petit connard qui était à côté qui attendait, et boum, quoi. Il a pété avec son dernier. Culé, quoi. Voilà, c'est que Cerberus et Rapace, les Rapaces, j'ai du mal à les voir, quoi. Surtout quand on les entend très très peu, et puis c'est souvent en close qu'ils les utilisent, donc c'est vraiment la merde. Je préfère essayer de chercher des Cerberus et gaspiller les lance-roquettes, quoi. Mais voilà, vous voyez, ça a été vite. J'ai hâte de l'avoir en or, et puis je vais commencer mon petit deuxième copain, là. Comment ça s'appelle? Le Black Cell, et pas que c'est assez chiant, le Black Cell. Et le couteau. Et puis les pistolets, bien évidemment. Donc par contre, j'aime bien savoir les niveaux. C'est chiant qu'ils ne mettent pas les niveaux à débloquer. Parce que vu que j'ai passé prestige, ben, je vais débloquer une arme. Maintenant, je pense que je vais le passer maintenant. Parce que vu que je viens à peine de commencer celle-là, il me reste quoi? Ouais, il me reste quand même pas mal d'headshots. Ouais, ce que je vais faire, je vais passer prestige maintenant. Mais vous voyez, je sais pas le niveau des armes, mais ça me fait chier. Ouais, c'est pas grave, on va le passer maintenant. Donc caserne. Pardon. Putain, je sais jamais où c'est. Voilà, c'est là. Pardon. Alors, donc, arme. Fusil mitrailleur. Donc, c'est niveau combien? 34. Ouais, ça va aller vite. Et mon copain spécialiste. 46. Ouais, là, ça pue un peu la merde. Donc moi j'ai débloqué avec le prestige donc fantôme. J'avais fait le sixième sort, je vous l'ai déjà dit. J'ai fait une petite erreur parce que je le dis jamais. Pillard, super important. Et silence de mort quoi. Même si je l'utilise très très peu. Et forcément la mutation à 7 vu qu'elle est au niveau 57, t'es un peu obligé en fait. Si tu veux la monter, t'es un peu obligé. C'est dommage par contre le tomahawk qu'on peut pas le mettre en or. C'est tellement stylé. Mais bon, c'est un petit accessoire, mais bon, en or ou avec du poitre rouge ou même avoir le tomahawk de Assassin's Creed 3 en mode indien là, ça aurait été cool quoi. Petit skin différent du tomahawk basique qu'on le place en secondaire quoi, pas en arme. En arme tactique, c'est ça, arme tactique qui est foutue là. Non, je sais même pas. Je sais même pas où l'eau foutue. Hein. C'est dans armes. Je sais même pas. Enfin bon. C'est pas un atout. Ah si, c'est tac. Bah non. Mortel, voilà. Mortel, voilà. C'est ça. Ah bah non, bah oui. Hache de combat, voilà. Alors que c'est un tomahawk. Je sais pas pourquoi ils mettent hache de combat. C'est peut-être la traduction, je sais pas. Niveau 41. Et 53. Mais ça, je m'en fous. Donc, à mon avis, je vais faire. Sinon, pour les petits guns, j'ai dit quoi? Donc le couteau c'est 40, hein. 49 pour l'écart. Ça à mon avis ça va être le dernier que je vais monter. Lance-roquette je le ferai au fur et à mesure, à mon avis ce sera le dernier qui sera monté celui-là. Automatiquement, vu tous les... Il faut vraiment tomber sur une bonne partie quoi, vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui jouent tourelle, il y en a hein, mais c'est pas évident. Il faudrait carrément s'organiser sur Nocturne pour voir, hé hey, les gars vous pouvez pas prendre une tourelle ou quoi pour la défoncer s'il vous plaît. C'est carrément ça qu'il faudrait faire quoi. Pareil pour le rapace ou un truc comme ça. Vu que la toile ça se débloque assez vite, ça doit pas trop les faire chier quoi. Vu que c'est juste après le. Non, non, c'est deuxième catégorie. Ouais, non, c'est pas suffisant. Ouais, il faut quand même une 10 kills, je crois, ou un truc comme ça pour débloquer 10 casse-kills. Donc le couteau. Je sais pas. Niveau 49, j'étais combien la spécialisation? 46, ça fait chier quand même. Soit je finis le. Ouais, là, je vais me faire chier après. J'aurai plus de spécialisation. Je pourrais prendre la même. De toute façon, celle que je joue le plus, moi, c'est. Medium, j'aime encore assez bien. Mais j'aime bien les leurres aussi. Et ici, ce que j'aime bien, c'est l'écorcheur qui est pas dégueu. Maintenant, l'écorcheur, je trouve qu'il aurait été super bien avec Turbo. Après, bah voilà, pulsion, j'y joue tout le temps, armure cinétique, forcément, vous êtes bien, même en hardcore, ça te souffre quand même un peu la vie, moins que normal, mais. La pulsion, je trouve un peu que c'est un peu trop craqué à mon goût, là. La pulsion un peu trop craquée. Tu vois un peu trop loin en fait, à mon goût. Et voilà quoi. Non, je sais pas. Je sais pas du tout.
Niveau 46, putain. Va falloir que j'attende. Hein. Bah, c'est pareil pour les autres, faut dire. Là, ça va être 40. Bah, 40, ça va encore. Mais là, 49, va te faire foutre, quoi. Bah, écoutez, je vais déplacer. Hop. Ah oui, et c'était combien la grosse mitraillette? 34, ouais, ça va, ça, je m'en fous. De toute façon, je vais vite monter de niveau. Ça va très très vite au début. Ouais, je vais débloquer celle-là. Dans les atouts, je réfléchis. Et dans les séries de poids. Non, série de poids, je m'en fous aussi. Non, je vais débloquer celle-là. Allez. Voilà. Comme ça, je vais déjà me faire une classe. Ce petit pistolet-là. De toute façon, je vais me faire deux classes pistoles. De toute façon, fantôme de base. Pierre et. Écoute, je pourrais pas le faire maintenant. Je vais laisser fonceur. Ouais. De base, donc là, il va me falloir. Le silencieux. Ou de base. Balle bladée, c'est sûr. Niveau 22, qu'il faudrait que j'attende. Ok. Et puis l'autre. Alors. Oh, copier 9, voilà. Et là, j'ai juste changé. Je vais prendre le car et le car, j'ai rien débloqué dessus de toute façon. Ah oui, camouflage. J'ai pas encore regardé ce que j'avais. Ah, il est pas dégueu celui-là. Celui-là, il est basique. Le étincelle. Ouais, il est pas animé, mais il est pas dégueu. Ouais, oh, non, je vais mettre le TSL, il est pas mal. Et mon petit copain là. Normalement. Ouais, pas terrible du tout. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc, comme ça, j'ai deux bonnes classes. Pour commencer. Le Meta 7, il est vraiment bien pour level up très très vite. Pour vraiment rusher le jeu, mais bon, c'est pas trop mon truc. Même si on va bientôt atterrir sur le nouveau DLC qui va sortir là, et nouveau contenu sûrement, bah logiquement. Sinon, c'est un peu de l'arnaque. Donc, je vais mettre les deux pas. Donc, vous voyez, si je l'ai passé prestige, j'ai vu que je rejoue pas. Sérieux, je fais juste une classe, mais je m'en sers pas en fait. Je fais juste une classe comme ça si j'en ai trop marre. Quoi. Donc, silence de mort. Ouais, bah c'est beau comme ça. Toujours une classe de chaque. Non, je vais laisser la Kuda. Non, moi j'ai un peu d'équipement dessus. Ouais, poignée à corps. Et. Ah oui, non. Petite pierre plutôt. Voilà. Et. Silence de mort. Non, on va laisser. Ouais, non, on va laisser comme ça, c'est mieux avec la Kuda, toujours bien de mettre fonceur, vu que plus souvent on tire sans viser. Donc là, ça ira vite. Une petite classe snipe, bah, je peux pas encore. Un petit tracer, allez. C'est vrai que j'ai oublié de mettre les... J'oublie à chaque fois. Hein. Voilà, accuracy réduit, tracer, le scope. Ah tiens, ouais, je l'ai passé prestige. Là. Elle fait pas trop de dégâts, donc je vais quand même mettre pierre. Supprimer ça. Voilà. C'est bon. Alors, j'avais quoi à faire? Juste le camouflage. J'ai dû retirer des camouflages, parce qu'avant j'avais fait des classes prédéfinies. Déjà, comme ça, j'évitais de me faire chier à faire ça, quoi. À choisir. Mais non, c'était tellement plein parce que je faisais deux tchaks, c'était trop plein. Je savais pas qu'il avait une limite, en fait, j'avais pas remarqué. Donc une classe pompe, ça peut être pas mal pour plus tard, mais à mon avis, je le ferai pas tout de suite. Donc pompe, je suis bon. Silence de mort, c'est parfait pour le pompe. Et là, là, on verra bien. À partir de là, on verra bien. Donc c'est Axis 7. Ouais, pour l'instant c'est basique. Parfait.
Donc A2, il faudrait juste que je le renomme plus tard, ça. Et on est Vous savez comment parti. faire. Donc il me reste 9, A poids, hardcore. Quoique. Ah oui, spécialisation, bah j'ai juste turbo de toute façon. Ouais, non, on va faire du. Du normal. On va tomber sur Cobil. Non, même pas Mitro. Bon, ça va encore. Ça va changer un peu parce que la Gorgone, j'ai fait que ça pour la finir au plus vite. Et sérieusement, j'ai. La Pharo, j'ai dû changer quelques fois quand même parce que j'en avais un peu marre. Vu qu'elle est à rafale. La Gorgone, c'est plus ou moins une rafale quand même. C'est juste que la cadence est très très faible. Neutralisé. C'est un petit plaisir, lui. Alors. Voilà, je prends la Kouida. On est en mission. Ça joue snipe en tout cas, ouais, ça joue snipe. Maintenant, j'espère que c'est pas snipe holo parce que hello plutôt. Drone de brouillage en approche. Drone en approche. Menace neutralisée. C'était allié ça, ouais. Ah, il a été les bacs et tout là. Lance brisée. Ok, il y en a encore un. Deux même. Menace neutralisée. T'es où mon petit chou? Ah, j'ai du mal. Hein. Première partie, j'ai toujours du mal pour retrouver ma. Mais ah, mais WASD. Non, version AZERTY. ZQSD. Drone en approche. Ok, donc. Ah, petit salaud. Liquidé. HCD en approche. Hellstorm en approche. Je rebalance ça. Liquidé. Voilà. L'ennemi a abattu votre drone. Est-ce en attente? Allez, allez, allez. HC, essence. Résultat négatif. Fin du gain de vitesse. On prend ta vie. Reaper à terre. Rapace en attente. Rapace en liquidé. Ah, lui il aussi il doit monter la lance raquette. Il a essayé de me niquer mon rapace, il a raté. Bon, là c'est droit ou coup, je sais jamais. Ma vie ça vite. Non. Ah, gagné. Putain, il me tire dessus au lance raquette, ce culé. Ah, il essaie d'avoir mon rapace, mais il n'y arrive pas. Bon, attends. Vas-y, mon rapace, tu peux le faire. Lance roquette ennemie! Regardez-moi ça, il est juste là, trade. Visuel sur l'ennemi. Ah, j'ai visé comme une merde. Donc, changement de spawn là? Non, toujours pas. Drone ennemi repéré. Non, ouais, si. Drone allié en approche. Ah, il est en dessous, ok, je me demandais. Oh le noob. Vous voyez à la mire, moi je suis vraiment nul hein. Un brutier. Ennemi. Il a rien compris là. Ok, toi je t'ai vu. Donc logiquement, tu vas atterrir là. Bah les gars. Ah GG. Bah voilà du casse. Ah c'est beau. Ah la flèche de pute là, ou je sais pas trop ce qu'il m'a mis mais. Ils font chier avec leur. Leur truc électrique, explosif là. Putain.
Faut vraiment que je mette. Spectre éliminé. Drone en approche. Putain, mais c'est quoi cette merde hein. Disponible. Il saoule le mec. Il est où? Visuel sur l'ennemi. Putain. On va gagner. Attention, lance-roquette. Ah merde, ils sont deux. De brouillage en approche. Faites gaffe. Le deuxième m'a pas vu. Drone prêt pour intervention. Spectre à terre. Ennemi HS. Oh là 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 là. Raté. Turbo prêt. Ok, il est mort. Putain, j'ai plus de balles. Vite. Colis stratégique allié en approche. Drone en approche. Ennemi à terre. Ouh. Les Black Ops en c'était joli. Black 3, ça c'est on du bon. Hein. Bonne rapée, voilà. Les gars. Comme ça, vous serez de partie. Oh, la couda, toutes les sabiers sont vraiment pétées. Ça fait du bien de retourner avec des sabiers quand même. Putain, toute cette game à se faire chier avec une gorgone et se faire défoncer. Je restais positif, si hein, à part une ou deux fois sur toutes les games. Mais voilà, elle me traite de hacker maintenant. Ah, ça fait plaisir de retourner quand même avec des armes de base qui sont trop faciles à utiliser quoi. 23-0, regardez-moi. Ah, sur la latte. Ah, ça fait plaisir. No cheat, man. No cheat. Ça, le talent. Le talent, mon gars. Le talent. J'ai redescendu un peu ma soeur aussi. Je suis à 9 maintenant. Ah là là. Ah oui, là, je fais IKEA. Bon. J'ai bien level up. Toujours... Okay. Voilà, comme ça au moins vous aurez vu une belle partie. Ouais. Ah, peut-être le move. Allez. Yes. Alors, XR2. Ah. Ça tombe bien, je te la débloque. Donc. Pardon. Donc, pompe, allez, faite. L'XR2. Ouais, allez, je vais la débloquer. J'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Parce que je l'utilise rarement. Je l'aime encore bien l'XR2. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est... donc c'était tir rapide, je crois. Non, c'était pas ça. Viseur laser, voilà, c'était ça. Et après je la passe... Oh, quoique. Si un diamant, j'ai rien d'autre de toute façon. Quoique, oh, oh. Non, un diamant, voilà. Ouais, dès que j'ai un équipement, comme ça j'oublie pas. Ben voilà, je vous laisse ici pour pas que ça dure trop longtemps. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Et on se retrouve pour How to Survive 2. J'en ferai une partie demain. Comme ça, vous aurez plus de contenu. Donc, une partie pour pas que ça dure trop longtemps. Parce que la dernière fois, c'était deux parties que j'avais fait. C'est pour ça que j'avais coupé en deux et que vous avez pas une intro pour la deuxième vidéo. Donc voilà. Allez, amis, à la prochaine. Salut. Et forcément, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. Voilà, y'a pas de problème, je suis là. Allez, salut.